Les collectivités font face à une augmentation du coût de l'énergie sans précédent qui va affecter rapidement et durablement les services publics et leurs équilibres financiers. Le coût du mégawattheure à 45 euros l'an dernier est prévu à 1034 en 2023. Néanmoins, le port de la Grande Motte reste plus que jamais engagé et déterminé à trouver un ensemble de solutions pour faire face à cette crise et met en place le plan de sobriété énergétique. Alors que l'inflation est de l'ordre de 7 à 8%, les tarifs n'augmenteront que de 2% seulement, avec le pari de miser sur un changement de comportement de la majorité des plaisanciers. La première étape consiste à ne pas laisser le chauffage allumé en votre absence, une des principales sources d'incendie. Mettre à température lors de son arrivée à bord est rapide. Évitez de laisser brancher le bateau inoccupé de façon permanente. Un branchement en présence et un démarrage moteur toutes les 3 ou 4 semaines suffit à entretenir votre parc batterie. Veillez à bien ventiler votre bord évitera toute condensation. Et la voie d'eau, à votre départ, fermez toutes les vannes. Pensez, comme le demande le règlement du port, à déclarer un gardien. Que cela soit un proche ou un professionnel de votre choix, cela vous permettra de veiller au bon état de votre bateau et de ses équipements. D'autres solutions existent. L'ajout de panneaux solaires ou éoliennes vous permettra de maintenir alimentés les équipements de sécurité de votre bateau sans solliciter les équipements portuaires. La Régie des ports propose enfin des forfaits de branchement complémentaires pour tous ceux qui n'auraient pas d'autre choix que de solliciter une dérogation au règlement. Il est du devoir de chacun d'agir et de réduire sa consommation à bord comme à la maison. Consommer moins d'énergie, c'est faire des économies et continuer à préserver notre planète. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre à la capitainerie de votre port ou sur le site internet.